Bienvenue à cette première émission de Allez vous voir, Evelyne, qui va être avec vous aujourd'hui, accompagnée, bien sûr, de ma co-animatrice, Pamela Sauvé. Allô! Ça va bien, ça Pamela? Ça va, toi? Excitée de cette première émission. J'ai tellement... J'ai espéré avoir quelque chose de ce style-là, puis je suis vraiment contente que ce soit... mon émission Allez vous voir est née. Mais ça se concrétise maintenant. Et parlant quand on parle de cette émission-là, évidemment, on peut expliquer le concept à nos téléspectateurs à la maison, dis-je bien. Alors, c'est une émission littéraire, tout simplement, avec Pamela, première partie d'émission. On va vous présenter différents livres que Pamela a lus pour nous. Grande lectrice, Pamela. 5 livres par semaine. Je ne fais que ça. Donc, je travaille, je lis, je dors, je lis et j'aimerais lire pendant que je dors. Mais ça te permettra de découvrir différents auteurs et c'est évidemment ce que tu vas faire aussi dans les deuxièmes parties d'émission. Tu vas rencontrer pour nous différents auteurs que tu as lus au travers de tes lectures, finalement. Oui, effectivement. Donc, j'ai des auteurs que je veux faire connaître, que je veux que leurs livres soient connus. Qui ont accepté là, de venir s'asseoir avec moi pour répondre à différentes questions. Et qui tu vas recevoir aujourd'hui pour cette première émission? Je vais recevoir Chantal Brunette. Qui est? Une auteure. Non! Oui, elle a écrit 2 tomes de La fille dans le placard. Ça explique un petit peu, en fait, une dame qui va avouer son homosexualité. Un sujet quand même qu'on voit pas souvent dans les livres, j'ai l'impression. En fait, moi, je l'avais jamais vu avant. C'est pour ça que ça m'a intéressée de savoir pourquoi elle a choisi un sujet aussi tabou, mais je vous en dis pas plus. Non, on va garder le suspense pour tout à l'heure. Là-dessus, je pense que ça va être le moment de commencer la première lecture que tu nous présentes aujourd'hui. C'est un roman jeunesse. Tu aimes beaucoup commencer avec les romans jeunesse. Celui-ci, c'est Marianne Bellumeur. Exactement. Alors, c'est de Lucille Brisson, des éditions Boomerang. Une super belle histoire. C'est le premier livre de Lucille. J'ai été touchée parce que je lui parle là, à travers les médias sociaux. J'ai pu parler avec elle de son expérience, de son premier livre. C'est l'histoire, en fait, de Marianne. Je dois vous avouer que c'est le personnage avec la tête la plus dure que j'ai vue de toutes mes lectures. C'est assez spécial. En fait, au début de l'histoire, elle vit un drame personnel. Elle est en... Écoutez... Drame familial, amical... Non, drame envers elle-même. Il y a quelque chose qui lui arrive dans sa vie. Et là, elle ne peut pas retourner à l'école pour un certain temps, le temps que ça se résorbe. Et alors qu'elle va pouvoir retourner, il y a un deuxième drame qui va survivre. Mais oui, c'est ça. Je ne veux pas trop vous en dire. Et là, on voit mon visage de désespéré un peu. Non, mais c'est, disons que pour le deuxième, c'est sa famille va y apprendre quelque chose que, écoute, elle va vraiment mal le prendre. Et c'est là que je l'ai surnommée vraiment la tête dure olympique. La tête dure olympique, oh, c'est une professionnelle. C'est ça, exactement. c'est fou à quel point tout ce qu'elle essaie, c'est de vraiment rester vraiment en chicane avec ses parents. Et ça m'a rappelé que j'ai déjà essayé de faire ça, ça marche pas. Moi, j'ai pas été capable. Tu sais, après ça, on rentre là, dans les histoires jeunesse avec les amis, l'école. J'adore le style jeunesse, même si, écoute, je l'ai passé cette étape-là, ça me rapporte. Peut-être justement parce qu'on l'a passé, cette étape-là. Donc, on arrive à se retrouver finalement dans les divers personnages. Oui, mais tu sais, quand on le vit souvent, la jeunesse, on se rend pas compte de la chance qu'on a, on se rend pas compte de tout ce qu'on vit de beau. Puis je trouve qu'en retournant lire ça, ça me ramène à ces moments-là. Puis je me dis, c'est vrai que j'étais bien, puis j'aurais dû en profiter, mais j'en profite autrement. Dans la fin vingtaine. Qu'est-ce qui est beau, Pamela, c'est que c'est le premier tome de la série. Oui. Donc, il y en a d'autres qui suivent. Il y en a un deuxième, oui, qui va sortir sous peu, puis je l'ai demandé de le recevoir, ça c'est sûr. Sur ce, je pense qu'on va s'en aller vers un style complètement différent. Un thriller, un auteur québécois qui est très, très aimé de ses lecteurs, Patrick Sénécal. Aujourd'hui, tu nous présentes L'autre reflet. Exactement. C'est en fait de la maison d'édition À lire.
c'est vrai que c'est totalement pas la même chose que Marianne Bellemare. Seulement si on compare les deux couvertures, je veux dire, on est totalement dans un univers qui est différent. Oui, Patrick Sénécal, moi je le dis quand je le lis, c'est toujours un petit... je me sors de ma zone de confort, mais à l'extrême. Pas que j'aime pas les styles horreurs, mais on s'entend que Patrick Sénécal, dans les situations que ses personnages vivent, c'est quelque chose. Dans celui-ci, on parle en fait d'un monsieur qui va devenir auteur, qui va écrire son premier roman. Ça commence, là, il travaille dans une prison. Okay. Et il fait comme des classes, là. Et là, ses élèves, il leur dit tout le temps, faites-moi comme des textes. Il veut qu'il les faire écrire pour voir s'il y a une passion là-dedans. Il y a une des prisonnières qui va écrire des textes sur ses propres meurtres qu'elle a fait, mais qui ne sont pas tous connus. Et il va s'inspirer de ça pour écrire son premier livre qui va faire vraiment une fureur. Et par la suite, en fait, il essaie de s'inspirer lui-même. Il veut que ses personnages soient noirs, que ça fasse vraiment aussi intense comme situation. Et il n'est pas capable. Donc là, quand il les fait lire, « Ouais, mais ton autre était meilleur, ben t'es pas... » Alors là, il vit à travers tout ça. Et entre-temps, cette prisonnière-là va sortir. Elle va essayer d'aller retrouver contact avec lui. Lui, il veut pas parce qu'il y a vraiment une rage en dedans de lui de dire « Il faut que je trouve ma façon d'écrire quelque chose d'aussi noir que le premier. » Ça tourne autour de ça, là, d'écrire ses romans, de la prisonnière, de ce qu'elle va... Elle a été assez perspicace. Sérieusement, je me suis dit, ouais, une prisonnière, moi, je sais ça. Mais à t'entendre parler, j'ai l'impression que l'auteur en devenir du livre est jaloux totalement de cette prisonnière-là qui écrit des histoires qui sont réelles, évidemment. Ben dans le livre, du moins que c'est réel, j'espère que ça s'est pas passé pour vrai. Ben je pourrais pas dire qu'il est jaloux, là, parce qu'on s'entend que c'est quand même des meurtres qu'elle a fait elle-même. Moi, je parle de l'écriture puis des histoires plus que de... Ouais, on voit là-dedans qu'il est jaloux. Tu sais, dans les maisons d'édition, quand il va avoir les succès d'un autre auteur, on voit qu'il est vraiment, oui, on peut percevoir une certaine jalousie parce que cet auteur-là, il publie un livre, ça marche, il publie l'autre, ça marche, alors que lui, son deuxième a moins marché, son troisième marche moins. Et là, le dernier qui va publier, ça y va, mais je vous dis pas comment. Puis tu nous laisses comme ça. C'est ça. OK, je pense que je pourrais pas te convaincre de me dire d'autres détails de toute façon. Prochain livre, un roman. Tu nous présentes les trois. Ben, en fait, on a les trois devant nous aussi, mais je pense que tu vas plus précisément nous parler du premier de la série. Ça s'appelle Les secrétaires. Oui, en fait, je vais un peu parler de la trilogie sans aller dans l'histoire du premier seulement. C'est de Marilène Pion, des éditeurs réunis. En fait, c'est des romans où, tu sais, si je me fie au moment où j'étais au secondaire, là, je détestais l'histoire. J'étais vraiment pas bonne. OK, la matière scolaire, tu parles de l'histoire, ouais. OK, oui. Et là, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah, ces styles-là, ça va trop me ramener là-dedans, ça va trop. Tu sais, c'est des années, tu sais, 1962. Là, je me suis dit... OK, recule dans le temps, là. Oui. Je me suis dit, je serais pas bonne. Tu sais, je réussirais peut-être pas à rentrer dans l'histoire. J'avais peur que ce soit trop historique, justement. Que là, ils ramènent des détails que, justement, j'aurais peut-être pu apprendre dans mes cours, que dans le fond, j'ai rien retenu. Je me suis lancée petit à petit et dans celui-là, écoute, j'ai vraiment rentré dans l'histoire. Dans les années, en fait, dans les années 1960, souvent, les femmes étaient vues plus comme... rester à la maison, élever la famille, faire le ménage, etc. Mais en fait, elle décide qu'elle veut être secrétaire. Elle va se rendre vraiment à un poste qui est quand même haut placé dans, okay, dans une banque. Et là, il va arriver plein de péripéties. Entre-temps, elle va se faire des amis, mais celle qui s'occupe du groupe, elle est quand même assez bête. Sérieusement, quand elle arrivait, je me disais, oh, elle est encore là. J'étais okay, un peu déçue, ouais, ouais. Et là, écoute, il y a des amourettes à travers ça. Et entre-temps, il va arriver quand même un drame à un personnel de la banque qui va faire en fait qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver. Cette personne-là, elle a les mains baladeuses. Ah! Mais faut voilà, le lire pour savoir c'est quoi l'histoire. Là, si je comprends bien, le personnage principal là-dedans, on recule dans les années 60. Elle travaille, donc elle ne veut pas rester maman à la maison. Est-ce qu'elle est mariée? Non, au début, elle est vraiment célibataire. Alors déjà, c'est un personnage qui, à l'époque, était controversé
Et là, on en a créé une histoire. Exactement. En lisant différents auteurs, je vois vraiment que la mentalité du « femme à la maison » puis « pas de travail », ça revient d'un tome à l'autre, fait que ça existait vraiment. Et sans être féministe, ça me révolte. Je me serais pas vue à cette époque-là me faire dire « ben tu vas rester à la maison ». C'est sûr que quand on connaît le mode de vie qu'on a aujourd'hui, c'est difficile de s'imaginer revenir en arrière à une époque où les femmes vivaient cette réalité-là. Voilà. Effectivement. Prochain livre, Pamela, je pense qu'on va en toucher plus d'un avec celui-là. Juste le titre, je pense qu'il veut tout dire. « Maman est une étoile ». Je pense que déjà, on commence à deviner l'histoire, mais je pense que tu vas la raconter mieux que moi. J'ai aimé la façon dont tu as pris le livre comme si c'était un trésor. Mais c'est un trésor. C'en est un. C'est de Mylène Moisan, des éditions La Presse. Ce livre-là, oui, quand je l'ai reçu, juste avec le titre, j'ai déjà senti de quoi on allait parler. Ce que je ne savais pas, c'est que le personnage dans cette histoire-là, qui est Joliane Fortier, ils ont fait une émission à Canal Vie avec elle, Chantal Lacroix. Je voudrais pas là, faire erreur, si je me trompe pas, si on efface, si on recommence. Elle a passé, Joliane avait, elle a été atteinte d'un cancer du sein. Ouais, ça dit quoi? Hein? J'ai les frissons quand je pense. Quelque chose, ouais, exactement. Bref, dans ce livre-là, on voit son parcours. Quand elle apprend qu'elle a le cancer, elle a des enfants. On va voir qu'elle fait des écrits parce que son objectif, c'est qu'ils se souviennent d'elle. Écoute, elle avait 31 ans, c'est très jeune. Et je me souviens, quand je le lisais, je me suis souvenue de l'émission où on la voit à l'hôpital. Chantal Lacroix va la visiter. Et elle est toujours, puis Chantal Lacroix le dit, elle a toujours gardé un sourire dans son visage. On ne voyait pas que dans sa tête, là, c'était comme la fin. Elle, c'était vraiment, en ce moment, je vis, je peux voir mes enfants. Et là, ils vont l'amener au restaurant, ils vont faire une sortie. Écoute, elle est avec son oxygène. Fait que c'est sûr qu'en lisant, moi, je me remémorais tout ça. Ça venait me toucher profondément. Et comme le titre le dit, elle va quitter. Elle est décédée avant même, en fait, qu'elle puisse voir sa maison qu'ils ont rebâtie, qu'ils ont refait. Ça a été vraiment quelque chose. Très belle histoire, finalement, très inspirant. Oui, c'est l'écrivain, oui. Voilà, mais malgré la triste finale, je pense qu'on peut apprendre beaucoup d'un livre comme ça. Ben, moi, je trouve c'est très triste, c'est très intense comme histoire, mais en même temps, je trouve que ça rappelle la fragilité de la vie. Puis quand je finis un livre comme ça, je me dis, aïe aïe, mais si tout est fragile, ça peut tellement finir subitement. Profitons de vraiment chaque instant. Voilà. Merci beaucoup, Pamela. Merci à toi. L'émission n'est pas terminée, certainement, parce que dans quelques minutes, tu vas rencontrer Chantal Brunette. Ça va être un beau moment, je pense. Oui, j'ai des belles questions pour elle que vous allez en apprendre plein sur sa vie. Restez à l'écoute, c'est ce qu'on vous propose à Livre ouvert dans un instant.